Good morning, allez Yiden, les tutos aujourd'hui de l'Ishmat, Mouvir, Bishmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Miyamin, Ben Mazal, ainsi que les fois de Sarah, Ben Betirivka, Rafael Zulon, Ben Chaimalia, Myriam, Ben Chassida, Edov, Ben Yudit, Ben Chapol Israël, si vous êtes vous citer d'une prochaine étude de Misha Kotek, 5 minutes éternelles, nous étions Maseret Roulin, Perek Dalet, Mishnah Gimel, Behema, Shemet, Ubara, Betoch, Me'eha, Be'ushita, Roe, Et Yado, Venagabo, Ben Bebehema, Tme'a, Ben Bebehema, Tehora, Tahor. Rabbi Yossi Aglili Omer, Bat Me'a Tame, ou Bat Tehora Taho. Aïcha Shemet Vlada Betoch Me'eha, ou Pashta Chaya Et Yada, Venagabo, Achaya Tme'a Tumat Shiva, Veaïcha Tehora Ad Sheyetse Avaled. Valade. On parle maintenant de Behema Shemet Ubara Betoch Me'eha. Un mammifère, une vache, par exemple, qui a eu son fœtus qui est mort dans ses entrailles, dans ses tripes. Dans ses entrailles. Vehoshit aroe et yado, et le berger a fait entrer sa main dans la matrice. Il fallait le tirer maintenant, il fallait l'aider à mettre bas, le ressortir. Venagabo, et il a donc touché ce fœtus mort. Or, vous savez bien que lorsqu'on touche un animal mort, on devient tamé. Une behemat mea, c'est une impureté de la Torah. Une nivlat behemat mea. Un animal mort, il véhicule une impureté. Donc le roé, lui, le berger, il a mis sa main pour l'aider à boucher, il a touché le veau. Et il veut savoir maintenant, est-ce qu'il est tamé ou est-ce qu'il est tahor, est-ce qu'il est pur ou il est impur pour le moment. Et bien la Mishnah m'enseigne, ben behema tmea, qu'il s'agisse d'un animal d'une espèce pure. Tous les animaux vivants sont purs d'abord, c'est une règle qu'il faut savoir. Tout être vivant, il est pur, il n'est pas impur. Même les shratim, même les reptiles, ils deviennent impurs que lorsqu'ils sont morts. Donc quand il y a marqué ici, on parle d'une behema tmea, qu'il s'agisse d'un animal impur, on parle d'une sorte d'animaux impurs, ceux qui ne sont pas permis à la consommation. Ben bebehema tehora, ou bien qu'il s'agisse encore d'un animal permis à la consommation, dans les deux cas, tahor, le roé, le berger, reste pur pour le moment. Et Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Yossi Aglili nous dit, batme a tamé, si c'était une espèce impure, impropre à la consommation, alors le berger devient impur. Ou batehora, mais si c'était une espèce pure, alors le berger reste tahor, il reste pur. Et on explique, c'est pas compliqué. Il y a, on est en train de parler donc, on revient sur le même principe toujours, il y a un veau qui se trouve dans les entrailles de la vache, et ce veau-là, il est mort, d'accord? Si je touche un animal mort, je deviens impur. Ce qui se passe, c'est que, et aussi, si la vache va mettre bas ce veau mort, une fois qu'il va être dehors, il va aussi véhiculer l'impureté. Ce qui se passe, c'est que pour le moment, il est dans les entrailles de la mère. Alors, comme pour les ilchot, shrita, si on égorge l'animal pour le moment, on aura le droit de manger le veau, même si le veau il est déjà mort. Il n'a pas encore un statut de béhéma morte, d'animal mort pour le moment. Il est pour le moment une partie intégrante de la mère, il ne véhicule pas d'impureté, donc il est permis, même si j'égorge la mer, je pourrais le manger. De ce fait, là, il n'est pas question d'égorger la mer, de faire la chrita à la mer, il est juste question de le toucher. Et malgré tout, puisque la mer elle-même a un statut pour le moment de rester pure, pour la loi de pureté, elle est encore pure, alors le berger restera lui aussi pur. Parce que le veau a le même statut que la mer. Ça, c'est déduit donc par déduction que puisque je permets le veau à la consommation si j'égorge la mer, c'est un a fortiori, puisque je permets le veau, même à la consommation, alors à plus forte raison que au moins par rapport au statut de véhiculer l'impureté ou non, qu'il ne va pas véhiculer d'impureté tant qu'il a encore le même statut que la mère. Donc, puisque je déduis par a fortiori, par rapport aux lois de consommation de l'animal, alors ça ne concerne en théorie que les espèces mangeables, que la Torah a donné cette permission de manger le veau. Mais pour les espèces qui ne sont pas consommables, qui sont interdites à la consommation. J'ai plus cette logique, c'est-à-dire toute logique, elle se fonde sur des données admises, et sur ça, on fait ensuite, on déduit un de l'autre. Mais donc, pour pouvoir arriver à permettre à dire que le berger restait pur, il faut nécessairement se fonder d'abord sur le fait que l'animal qui est à l'intérieur, il permet la consommation. Or, pour une espèce impropre à la consommation, ouais, du halouf, un chat, une chatte, qui a maintenant un bébé mort à l'intérieur et que je vais pouvoir le toucher. Sur ça, je ne peux plus faire de calva romère puisque le chat n'est pas permis à la consommation.
Alors, cette fois-ci, il y a une juxtaposition dans la Torah, c'est ce qui nous rapporte le Bartenora, Yachemut mina behema, asher yelachem lochla. Il y a un hekesh, une juxtaposition entre les espèces pures et les espèces impures, pour te dire que ça ne véhicule l'impureté que lorsque l'animal il est mort, jeté par terre, mais pas quand il est dans les entrailles. Tu le déduis de l'animal pur, d'accord? Ça, c'était pour le premier avis de Tanakama. Rabbi Yossi Aglili, lui, il n'est pas d'accord. Il va te dire, pour les espèces pures, je suis d'accord avec toi. Puisque je peux permettre à la consommation l'animal, alors à plus forte raison que l'animal ne va pas véhiculer d'impureté. Il n'a pas un statut de nevela, d'animal mort pour le moment, tant qu'il n'a pas encore sorti dehors. Ça, c'est vrai. Mais pour les animaux impurs, Rabbi Yossi, lui, il a une autre déduction. On ne va pas allonger trop de la manière dont c'est déduit, mais il y a une expression en trop dans la Torah qui va nous parler de Benivlat Hayat Mea, et finalement, ou de là-bas, Rabbi Yossi Aglili va nous dire qu'on parle exactement de ce cas-là, parce que sinon, c'était la Torah l'insistait pour rien. D'accord? Donc c'est déduit d'un pasuk. On a fini maintenant sur ce principe donc de toucher un fœtus mort dans les entrailles d'un animal vivant. Maintenant, on va parler du statut de celui qui va toucher un fœtus mort chez les humains. Vous savez bien aussi qu'un homme mort véhicule une impureté. Il est avia votatuma, il véhicule la plus grave des impuretés, la plus rude des impuretés. Il y a maintenant un fœtus mort, lo alenu, lo alechem. D'accord? Un fœtus mort dans les entrailles d'une mère. Il faut savoir, une fois qu'il va être dehors, il a un statut de mort pour toutes les halachot de la Torah. Ouais. C'est-à-dire, même si vous allez dans un hôpital où on ne s'occupe pas de... Il n'y a pas de service. Un Cohen va rentrer dans un hôpital où il n'y a pas, c'est qu'une maternité. Il faut savoir qu'il peut quand même être confronté aux lois de pureté et d'impureté. Ouais, vous savez qu'un Cohen, il n'a pas le droit d'entrer dans un hôpital s'il y a un mort, ou même dans une maison, s'il y a un mort qui se trouve sous le même toit. Les lois de Ohelamet. Alors, donc il y a des grands problèmes pour rentrer dans les hôpitaux. Vous allez me dire, ouais, mais là-bas, c'est juste une maternité où les femmes accouchent uniquement. Eh bien, on peut être confronté encore au problème là-bas des morts lorsque. Shalom, il y a un bébé mort, il y a une statistique, un certain pourcentage quand même de bébés qui naissent de la sorte. Selon le cas, il vécu l'impureté, il a un statut de maître complètement. D'accord? Enfin, on revient maintenant pour notre Mishnah, que cette fois-ci, pour le moment, le bébé, il est mort-né dans le ventre. Il va falloir le faire accoucher. Et ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant une sage-femme qui va aider la maman à mettre ce bébé dehors. Elle va rentrer ses mains dans l'utérus et toucher le bébé. Est-ce qu'elle est devenue impure ou pas? Alors, je précise d'abord qu'est-ce qui se passe selon la Torah avant d'arriver à l'interdit des Rabbanan, qui est, en l'occurrence, la halakha explicite dans notre Mishnah. Selon la Torah, c'est très simple. Il y a, tout d'abord, si l'enfant est encore dans les entrailles de sa mère, il impurifie pas. Il a le même statut que sa mère. Mais dès que l'enfant, il va commencer à sortir, alors il va impurifier. Ça, c'est très théorique, sur le papier, ça marche très bien. Le problème, c'est qu'à la différence entre des animaux, la matrice de la femme, ouais, là-bas, il y a ce qu'on appelle un prosdor. Il y a, si vous voulez, il y a l'entrée en direction de là où se trouve l'utérus, mais pour le moment, cette première partie-là, elle a encore un statut d'extérieur. C'est-à-dire, si le foetus il se trouve, il a déjà sorti la tête dans cette partie-là, même s'il n'a pas encore mis le nez dehors, mais il est déjà sorti de l'utérus, ouais, eh bien, il faut savoir qu'il a déjà un statut de né, d'être né. Chez les animaux, on n'est pas confronté au problème parce qu'il y a apparemment, je ne connais pas tellement l'anatomie, comment ça se passe chez les animaux, mais en tout cas, il n'y a pas ce statut de, il n'y a pas ce prosdor, il n'y a pas cette zone tampon intermédiaire, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a soit on est dedans, soit on est dehors. Chez la femme, ce n'est pas comme ça. La femme, il y a l'utérus, et il y a toute cette, ce vestibule, en fait, qui n'est pas encore dehors, mais qui a déjà un statut de dehors. De ce fait, il y a des situations où le bébé va commencer à sortir là-dedans sans avoir mis le nez dehors et qu'il a un statut de nez. De ce fait, Chachamim sont... Et donc, si le bébé a déjà mis le nez dans cette partie-là, il est déjà sorti dans cette première partie-là, il a un statut de nez. Donc s'il est né, si on le touche, on devient tamé. Chachamim nous ont dit, écoute, étant donné que c'est trop délicat pour savoir ce qu'il est déjà sorti de l'utérus ou il n'est pas encore sorti de l'utérus, Chachamim ont dit, on va finir vite la Mishnah Bezrat Hashem, Chachamim ont dit, écoute, on va toujours interdire, on va dire que la femme qui a touché ce bébé, même s'il n'est pas encore sorti, on va impurifier la mère, Midera Banan, de peur que le bébé soit déjà sorti et qu'on se soit trompé. Étant donné que c'est trop délicat, qu'on peut trop facilement se tromper,
eh bien, on va interdire Midrabanan, on va rendre impure la mère et on va lui requérir de faire la purification pendant les 7 jours avec l'aspersion des cendres de la vache rousse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selah.